Voilà, donc du coup, ici, là, on a perdu l'Arizona, voilà. Donc c'est le Nouveau-Mexique qu'on occupe, on a perdu l'Arizona. Très bien, bataille qu'on est en train de gagner. Bataille qui nous fait souffrir très fort. Dépêche-toi, monseigneur. Oui, super. Oui, super, regardez-moi ça, les stats. On est juste un poil plus fort qu'eux. Ah, on est beaucoup plus fort qu'eux, pardon, correction. Ah, une nouvelle colonie qui est disponible. On va pouvoir refaire une nouvelle colonie. Bah dans ce cas, tu vas aller là-bas, s'il te plaît. Ah, ça y est, ici, ils sont... C'est la bonne armée, ça. 16, 17, machin, bisous. Je sais pas, c'est pas les mêmes. Peut-être l'autre armée qui est en cours de recrutement, je pense. Ah, ils reviennent. Oh, mais ils renvoient des renforts. Bon, je suis mignon, ils renvoient des renforts. Allez, hop, hop, on arrive. On va venir vous cueillir, les filles. Bougez pas. Allez, fonce. Fonce par là. La grosse armée. Ils ont envoyé tout ce qu'ils pouvaient. Ah, si on vainque, si on arrive à vaincre cette armée, regardez, là, ils seront plus... Il restera plus grand-chose, hein, manpower, quoi, ils ont... Leur manpower a complètement maigri. Vous voyez, on a bien fait, hein, du coup, ils sont en train de devoir recruter des mercenaires, ce qui va foutre en l'air leur économie. Donc là, ce qui va arriver prochainement, c'est que leur lassitude de guerre va augmenter. Un état prospère. Je peux requérir une aide de la part de mes petits copains. Ah! On peut avoir des points. Hop, des points, on va les prendre, bisous. Ensuite... Bah rien spécial. Du prestige peut-être. Merci. Et on demande de la loyauté. Et on revient aux au taquet. Fantastique, je suis content. Ma chérie, c'est formidable. Tiens, est-ce qu'on peut développer New Washington pendant qu'on y est? New Washington. Non, tant pis. Alors toi, t'es mignon. Hop là, ça fera des économies. Non substantielles. Mais oui, envoie-les, nous dit Nilark, oui, envoyons-les. Les doigts dans le nez, tous les deux du chapeau pointu et tout ça, tout ça. Alors, ils sont où mes soldats? Ah, ils sont là-bas. Allez, fonce. Fonce ici. Faut les taper, là. Je les ai complètement abandonnés. C'est qu'est-ce qu'ils... Quoi? Je comprends pas. Ils font quoi ici? Ils sont en train d'occuper le Texas. D'accord, si vous voulez... Si vous voulez, allez-y, prenez le Texas. Allez, dépêchez-vous. Alors, il y a un nombre de points qui est aléatoire, c'est sous la forme d'un dé. Hein. Et il y a des points qui sont imputables à nos atouts. Les atouts de nos généraux qui sont meilleurs que d'autres dans certains secteurs, etc. Certains imputables au relief, hein, on traverse une rivière, etc. Ou l'ennemi a traversé une rivière. Donc le facteur aléatoire est présent, bien évidemment. Ah, il renvoie des... Oui, il renvoie des copains pour se faire poutrer. Ben, je suis pas contre. Si, je suis contre en fait. Dépêchez-vous de dépoutrer. Oh là là. Ça y est, ils ont reçu des renforts. Général Adam, c'est en train de morfler hein, face au général Nguyen. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Ah non. Ah non, il ramène encore d'autres renforts. Et c'est de la triche là. C'est de la triche. Ah non, il ramène tellement de renforts. Ça va être compliqué. C'est une bataille des plus compliquées, moi je vous le dis. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils montent, ils descendent, c'est pas trop ce qu'ils veulent. Tiens, va, Skiri. Mangez du Skiri. Skiri, Skiri, Skiri. Ouais, fonce là-bas. Hein. Pendant ce temps-là, il se passe rien de spécial, d'accord. Voilà, on continue de Corée. Et oui, car comme le disait Clausewitz, une bataille est comme un lancer de dés. Oui, le mec a vraiment écrit ça. Une bataille comme un lancer de dés. Il faut pas qu'ils reçoivent de l'aide. Ils arrivent quand? 26 janvier. Et Fatch. Si on renvoie encore une armée, on est mort. Hein. Autant être honnête. Déjà que là, ça va être tendu du string. Oh là là, on va la perdre cette bataille. Tout ça pour quelques lancers de dés pourris. Et merde, on va perdre la plus grosse bataille possible. Mais remarquez, cette bataille aura quand même un intérêt intéressant. Ah oui, un intérêt intéressant. C'est que leur manpower sera complètement HS. Et les soldats qu'il va falloir, les mercenaires qu'il va falloir renouveler en termes de régiment, qui seront bien consommés, il y aura beaucoup de morts, eh bien, ça va leur coûter très cher. Ça va leur pourrir leur lassitude de guerre.
Tandis que pendant ce temps, ils sont en train de nous semer le bazar là, du côté de la Californie. C'est pas cool, ça. Oh là 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 là. Dommage qu'on perde cette bataille. Moins 2,5 en score de guerre, et tu m'étonnes. Ils sont 215. Hein. Ils sont contents, hein. Et regardez, ça a déjà commencé à bien augmenter leur lassitude de guerre. Ici, la prise de cette ville, elle se fera pas avant un petit bout de temps. D'accord. Mais t'as 64 000 hommes dessus dans un siège. Prends-en 63 000 et envoie un renfort, communiste. Ah non, non, je veux absolument prendre cette ville-là. Je sais que quand je la prendrai, ça va me rapporter suffisamment de points pour pouvoir négocier une bonne petite paix. Mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Allez, attaque. Pokémon, attaque éclair. Ah, va là-bas. Voilà des soldats qui sont fixés. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Et on va les taper aussi. Ce sera mignon. Il est temps de taper les petits soldats qui traînent partout. Allez, North Vegas. Hein, on va vous taper. Je sais que vous aimez ça, vous faire taper. Voilà, bataille. Fantastique. Hop, tapez là-bas. On continue de les taper de tous les côtés. Des micro-batailles, c'est ce qu'on aime. Oui. Voilà, super. Tout ça. Tous par là. Un pour tous pour moi. Et on voit encore des renforts par ici. Il faudrait qu'Isqua Nation s'arrête de donner accès militaire aux États-Unis. Et ça devrait être tranquille. Bon là, on a perdu l'Arizona. Et on a, bon, le Nouveau-Mexique, ça va être tendu. Hein. Ah merde! Oups, pardon. Mais la grossière team vient tout seul. On n'a pas fait gaffe, mais il y a une armée qui est restée là-bas. Bah tant pis. Allez. Dès que tu arrives à destination, tu m'appelleras. Hein. Alors, ici, tu arrives? Oui. Ma chérie, c'est magnifique. Voilà, super. North Vegas. En termes de... Oui, bah c'est North Vegas, on les écrase, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, cette bataille-là est perdue, évidemment, j'avais pas fait gaffe. Celle-là... On n'arrive toujours pas à prendre cette ville, vous foutez de moi, là, ou comment ça se passe? Ah, bah bien sûr, on fait juste à côté, ils sortent bien faire, je vous en prie, c'est gratuit. On est arrivé? Oui? Magnifique, ma chérie. Allez. Allez, toi, tu fonces là-dedans, t'es gentil. Toi, tu vas ici. Fais pas trop compliqué. Hop, on resserre les rangs. De ce côté-là, c'est parti, on resserre les rangs également. On a mis en déroute cette armée, on veut pas trop, on sait pas trop où est-ce qu'elle va se barrer. On continue, on fonce dans tout ce qu'on peut. On fonce dans l'art. Hop, on baisse la lassitude de guerre, on sera mignon. Pour l'instant, ça va bien, hein, notre côté. Nos alliés, notre vassal, ça va très bien. La Nouvelle République de Californie n'est pas spécialement heureuse, mais que voulez-vous? Même pour une paix blanche, ils ne sont pas spécialement favorables pour l'instant, donc on n'est pas dans nos petits souliers. Il faut faire tomber Flagstaff. Il faut faire tomber Flagstaff. C'est la zone à faire tomber. Regardez-moi ça, là. C'est la zone à faire tomber, quoi. Ah, en Nouveau-Mexique. Bon, on va attendre que leurs armées à 200 000 pimpins se dissolvent un peu partout. Et puis comme Unet, un bon stratège, Nilark. Ah bah alors là, depuis jamais. Jamais, mais Maybelline. Il recule. Bizarre. Bon, allez, vas-y. Fais-toi plaisir. On est en train de... Où est-ce qu'ils vont, là? Eh, vas-y. Voilà, c'est bien. Vas-y, poursuis-les. Faut les taper, faut les fixer. Leur affaiblir au maximum leurs armées. Ça va avoir un impact économique considérable. On veut les mettre dans le caca, hein, très clairement. Miss Caleros, il faudra le tenir, Miss Caleros. Hein, sinon, on va être... dans des draps pas très propres. Allez, fonce là-bas, on va reprendre les petites provinces qui sont à nous normalement. Reculer pour... Ah, ils ont pris Junction City, pas de soucis. Nous aussi. On a fait un point commun. Alors, touc touc touc. Tout ça, bah non, il n'y a rien, rien d'intéressant, on a tout à prendre. Hop, ça y est, on sera tranquille niveau corps. Niveau endroit à Corée. Élection. Ah. On peut garder José? Oui, on va garder José. Hop, troisième mandat, bisous. Du coup, hop. Land maintenance modifier moins 10%, ça nous coûtera un petit peu moins cher, on sera heureux. Quoi des révoltes? Mais non, vous rebellerez pas. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah. Ah, ils arrivent en masse pour reprendre les régions. Des régions essentielles. Allez, va taper ça. Toi, tu me tapes ça. Ah bah, toi, tu recules.
Alors, le pouvoir de Malizena revient ici, merci. Allez, c'est parti. GG, les corps sont finis, nous dit Azels. Ouais, merci. Allez, on a enfin fini les corps. Cori 5, tout ça, tout ça. Ça me plaît pas trop, là. Ils sont un petit peu nombreux. Ah, la régénération qui est tellement lente aussi. Youhou, on arrive. On essaye, en tout cas. Qu'est-ce que je fais? Mais non, espèce de nez de bœuf. Oh là là, mais quel... Quoi qu'il faudrait que je... Il faut que j'arrive à 3 armées par là. Je le savais bien, hein, fallait que j'arrive à 3 armées, mais bon. Je suis parti un peu partout, en mode Blanche-Neige, me balader dans la forêt. Ah là 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 là, les grandes plaines. Ah là 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 là. Bon, que voulez-vous? Bien. Ah, ils occupent la région qu'il me faut absolument tenir. C'est formidable. Ah, ça y est, on occupe cette magnifique région de Flagstaff. Bon, on va venir derrière, on va passer par derrière. Attends, si je prends ça, je les bloque, hein. Si je prends ça, je les bloque, ça pourrait être sympa, vas-y. On va prendre ça. Ouais, si je m'en vais trop loin, je vais me faire taper, surtout, oui. Allez, viens, on va les prendre de tous les côtés. Comme de jeunes donzelles. Vas-y, fonce. Ouais, à quoi? Ah, on a repris Junction City à nos ennemis. Bien. Vous redescendez? Très bien. Allez, on va taper ces pimpins des bois de North Vegas. Ils ont l'air d'aller bien pour l'instant, North Vegas. Junction City qui commence à avoir un peu marre. C'est normal, c'est une petite nation. Troisième mandat, République totalitaire des États communistes d'Amérique communiste, dit Nilark. Pas du tout. Troisième mandat, oui, totalitaire pour le coup, mais non, c'est censé être une démocratie, normalement. On a renouvelé un emprunt de beaucoup. Ah, merci. Par contre, là, ils sont nombreux. Ce serait bien qu'ils reculent. Et dispersez-vous en haut, là. Amusez-vous, là-bas. C'est gratuit, ça mange pas de pain. Tiens, vas-y, bloque Silver City. En mode, vous ne passerez pas. Non, c'est infiltré notre administration. Ah! Bon, c'est un peu problématique, ils sont nombreux. Hein, un petit peu, quoi. Un petit peu problématique. On a presque repris la région, là, 23 décembre. Oh, c'est trop long. Josiane, tu restes ici. Au revoir. Allez, foncez là-bas, ça suffit des bêtises maintenant. Ils sont où les autres là? On est à 3 là. On est déjà à 3. Ah oui, ça ne ressemble plus à rien notre régiment là. Notre régiment ne ressemble plus à rien. Bon ben d'abord on va se taper. Hébron. Hein. Et démocratie, c'est avant les versions finales, nous dit Azels. Voilà, c'est ça. Bim. Hop, merci, bisous. Alors, il y a encore un pimpin des bois qui traîne par ici. Pas de soucis, on arrive. Ah, il y a des pimpins des bois qui arrivent. Bon, pas de soucis, on va se battre. Où tu veux te battre? Je veux te battre, moi je battre. Et viens par là. Faire un petit solitaire, c'est encore un coup, avoir des soucis ça. Mince! Non, j'ai fait la connerie du siècle. Oh mais quel malheur d'être con. Quel malheur d'être con. J'ai oublié. La 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 la. Ah bah ils vont se faire taper, mais quelle bêtise, j'ai pas fait gaffe, ils sont partis se taper, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'était pas prévu au programme, monseigneur. Ouais, tant pis. Ah vous vous démerdez, hein. Moi non, j'interviens pas. Hein. On a un conseiller qui est mort, ah bon. Hop, merci. Touk 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 touk. Rien. Une démocratie où il n'y a qu'un seul homme qui choisit la présidence la plus efficace selon les besoins du pays qui souhaite unifier le monde pour apporter la paix. Étrange système que tu présentes, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec Nilark. Oui, ouais. Ça me rappelle un petit débat qu'on avait eu qui était vachement intéressant. Hop, on va économiser des pimpins des bois, on sera mignon. Allez, barrez-vous. Pas le moment de claquer ici, hein. Te, va par là. Toi aussi, soigne-toi un coup, ça fera du bien. Comment ça se passe au nord? Mais ça se passe bien, c'est merveilleux. C'est quoi ce machin là? Alors toi tu fonces ici, on a besoin de toi, merci, bisous. Ah ta 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 ta. Oui! 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 Non, c'est pas ce que vous croyez. Oui, super, on va la voir. On va l'avoir. On va avoir des soldats supplémentaires qu'on va taper. Oh, ils ramènent de la réserve par petits morceaux. C'est comme ça que je les préfère. Petite part après petite part, histoire de pas avoir d'indigestion, vous voyez. Oulala!
Ouh là là, je souffre d'avance. Ouh, je souffre d'avance là. Ouh, vous me faites bobo là. C'est pas gentil ça. Vous faites mal à mon cœur. Et un peu plus que mon cœur d'ailleurs. Vu ce qui nous arrive dessus, ça va pas être chouette. Eh ben. Dis donc toi. Par là. Ça va être compliqué tout ça. Bon bah attendez, préparez-vous à la grosse bataille. On va morfler. Non mais t'en vas pas toi. Non mais non. Il s'en va ce con, ce nez de bœuf. Ah puis ils tiennent, hein, ils tiennent la région. Ah oh ah oh oh ah. C'est tout? Bah c'est une blague. Ah, on dirait, ouais, on dirait une grosse blague. Oh ah I-A-O. Ah bah oui, la blague tourne à quelque chose de moins comique. Bon, on a une nouvelle colonie qu'on peut se farcir. Hein. Laquelle on va se faire? Bah écoute José, on va se faire... On va se faire, si vous saviez. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui a pris ça là? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas eux? Dis donc, qu'est-ce qu'ils font en Alabama là? Au Mississippi plutôt là. Alabama, c'est un peu plus à côté. Ah bah dis, vous embêtez pas, je vous en prie, c'est gratuit. Hein. Tiens, allons des Appalaches. Voilà, super. Qu'est-ce qu'on fait ici? Plein de choses. Hop là. On va taper ces obscurs nez de bœufs, merci, on sera mignon. Alors toi tu vas réattaquer cette joyeuseté. Allez les filles, on fonce. De toute façon la démocratie c'est un des plus grands mensonges de l'école, nous dit Azels. Ah oui. Alors ils veulent reprendre la ville, bon courage. Allez, on va taper ces obscurs nez de bœufs en espérant qu'il n'y ait pas de renfort qui débarque. Pas spécialement. Alors on va leur faire regretter de vouloir passer par ici. Ah, on vient là, on vient à 15 000. Hein. Là, pas de pitié, on vient à 15 000. Comment ça, pas de leader? Si, il y a un leader. Ah, bah du coup, j'ai des leaders grévistes. Bah oui, j'ai divisé à moitié mon. Quel obscur dit bleu. Allez, on est 275 000. Je pense que là, hein, ils vont comprendre leur douleur. Triomphe, oui, c'est ça. Ah non, on n'était pas autant, j'ai présumé de mon nombre de... Alors tu restes ici, hein. Dis donc, c'est à moi ça. Non mais ils vont pas bien, eux. C'est à moi. Vous avez pas le droit de faire ça. Alors, monte voir un petit peu. Non, je m'en fous, ça. Ah, ça y est. Vous voyez, ça y est, ça commence à impacter leur économie, tout le monde commence à en avoir marre. Pour l'instant, leur morale est assez... Ils sont encore assez enthousiastes au niveau de la guerre. Manpower, ils ont plus rien de manpower, c'est pathétique. Bon, leurs armées, forcément, c'est des armées mercenaires, ils en ont des masses. C'est en train de bousiller leur économie, ils sont deux fois plus nombreux que moi. C'est en train de flinguer leur économie, hein, très clairement. Alors. Pardon, je m'étouffe tout seul, on va libérer les provinces au fur et à mesure qu'elles sont occupées pour éviter les problèmes. On veut pas de problème. Bon, allez, un petit peu quand même. Allez, on va foncer par là. On va intercepter tous les pimpins des bois qui voudront passer. Tiens, va, Skriri, tout ça, hein, vas-y, fonce. Trop de bulles. Ça y est, deux batailles. Ah, c'est la grosse bataille pour le Nouveau-Mexique. Hein. Qui aurait cru qu'on aurait tant envie d'avoir le Nouveau-Mexique? Ah ben, pas moi. Tac, tac, tac. Non, toujours rien qui m'intéresse là-bas. Pas de points à dépenser. Ah, c'est beau. Non plus. Bah, comment je fais pour vous attaquer, moi? Et si vous voulez, c'est pas faire, comment je peux faire, moi? Bon, bah, du coup, on va réoccuper joyeusement les petits patelins qui ont été libérés. C'est parti. Quand ils auront plus de manpower, même leur mercenaire ne suffira pas à remplir leur armée. Eh, c'est vrai qu'il y a une limite de manpower, hein. À partir duquel ils ne pourront plus recruter spécialement de joyeux... De joyeux nez de bœuf, tu as tout à fait raison, Azels. Hop! Et voilà, on se dirige dans toutes les directions. On devrait peut-être pas, en fait. Reste ici. Sois mignon.
Ah bah super. Vas-y, fonce par là, c'est gratuit. Bon, bref. De l'autre côté, au nord, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, au nord, il y a une armée qui stagne. C'est pas trop ce qu'elle fait, là. Non, elle bouge. Ouais, formidable. Allez, tapez-vous. Tapez-vous en ma compagnie, hein. C'est très mignon. Voilà, forcément. Voilà, super, triomphe, c'est magnifique. On a fait un triomphe au zénith. Tu fais quoi, toi, là-bas? Tiens, tu claques. Merci. Toi, tout va mourir. Merci. Par ici. Ah ben, la bataille n'est toujours pas finie. Bande de feignasses. Allez, plus lentement, je vous en prie, c'est gratuit. Vous pressez pas, on n'est pas pressé. Allez, va là-bas, on va les taper. Les petits pimpins qui traînent, on les trouvera tout à l'heure, plus tard. Allez, dépêchez-vous, tapez-moi tout ça. Super, on occupe les régions, on est très joyeux, très heureux. Je tiens à remercier Josiane, René et Michel. Ah, super, fantastique. On avance avec grande prudence. Hein. C'est évident, on peut pas faire n'importe quoi. C'est dans n'importe quoi qu'on dit n'importe qui. Super. Au niveau économie, on n'est pas trop mort, ça va. Repayer un emprunt. Toc, toc, toc. Oh, on est légèrement endetté. Oh, rien de grave. Voilà, c'est un petit peu une guerre pour rien. Hein. Je ne sais pas si on aura la force de résister pendant plus longtemps que ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font rien. Fantastique. Vous faites quoi? Rien. Correct. Bon, on va rester ici, histoire d'occuper la région. Si jamais il y en a un qui débarque, on se ramène. Bah du coup, on n'ose plus aller vers Bara. On n'ose plus bouger. On est timide. Triomphe. Ouais, c'est ça. Allez, grosse bataille de fou quand même. Bon, ben on va fixer tout ce qui traîne. Toutes les armées qui sont parties fixer ce qui traîne, c'est formidable. On va quand même laisser des petits pimpins derrière nous. Histoire de reprendre Miscalero, c'est quand même l'objectif de guerre, hein, accessoirement. Tchoum. Leurs armées commencent à devenir assez faiblounettes. Hein. Il n'y a plus rien du tout dans leurs armées, j'ai l'impression, là. C'est la misère des bois. Qu'est-ce qu'ils font, là-bas? Ils grimpent. C'est ça, grimpent, là-bas. Oh là là! Oh là là! Où sont nombreux? Non, j'ai rien dit. C'est plus si la misère que ça. Hein. Ils sont quand même nombreux. Ils sont quand même nombreux. Ouh, je m'aventure dans des endroits bizarres. Ouh, c'est spécial. Alors en tout cas, ce que j'aimerais, c'est les faire sortir des rocheuses, quoi. Reprendre tous les territoires qui sont en dehors des rocheuses. Est-ce qu'on peut déjà vérifier si tout cela c'est possible? Ça me coûterait beaucoup. Ça me coûterait des masses. D'accord. Juste histoire de prendre Colorado Trail, histoire de les verrouiller, quoi. Bon, quitte à pas prendre ça. Ouais. Oh, ça me coûterait tellement cher juste pour leur prendre quelques régions. Cette première guerre, ce serait vraiment juste pour les pour couper tout ce qui dépasse, hein, tout ce qui dépasse des rocheuses. Ça serait plutôt efficace, hein, pour le coup. Triomphe, ouais, formidable, merci. Vous imaginez pas comme ça change ma vie. Alors sinon, on va peut-être passer par là. Alors, du coup, on a un général qui va partir par là. Tandis qu'on a un général qui va prendre. Bah, qui va prendre ce qu'il peut. Et dépêche-toi. Dépêche-toi de passer. Voilà. Super. On est revenu à la maison, les enfants. Allez, on fonce par là. Bon, très bien, toi tu passes par là, tu vas aller les taper, toi par ici, tu vas laisser juste un nid de bœuf, oh non, en trop je crois, et tu vas foncer par là, histoire de faire avancer la ligne de front avec trois armées, mais d'un seul coup, sans laisser de trou,
voyez. Allez, on fonce par là, tu es une armée d'occupation. Et n'oublie pas, quel est ton nom? Hein, quoi? C'est quoi mon nom? Quel est mon nom? On occupe des provinces. Ah là 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 là, ouh là là, catastrophe. Oh, on a une grosse armée face à nous, c'est compliqué, hein. J'espère qu'on va réussir à leur tenir la dragée haute. Quoi? Attendez, on arrive à les... Oh, c'est formidable! Oh, c'est formidable! On va vaincre une grosse armée qui était partie au nord pour nous poser problème. Mais alors, du coup, on bouge pas. Ils se précipitent directement sans nous, mais c'est merveilleux! Là, on se pose, en plein cœur du territoire de nos alliés, là. En plein cœur du... quelque part, c'est le Dakota du Sud, je crois, par là. Ou le Nebraska. On se pose là, tranquillement, et on fait « Vous ne passerez pas !» C'est formidable. Ah là, pour le coup, c'est formidable. Donc là, on prend leurs armées. Comme c'était convenu au chapitre 1 de la région 2. Toi, tu vas par là. Ils essaient de prendre Flagstaff, plus Powerball. Foncez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Foncez les filles, vous êtes des armées d'occupation. Super. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Dis donc, je vous ai pas autorisé à vous. Ils vont où là-bas? Ils fuient par où là? Je sais pas, mais ils font des fuites bizarres. Ah bah écoutez, puisqu'ils aiment ça se faire taper, on va les aider. On va les aider à prendre du plaisir. Alors, on a pris l'objectif de guerre. Montre-moi voir tout ça. Légèrement endetté et plein d'inflation. Ah oui, là, on est légèrement endetté et plein d'inflation. Ouais. Mais légèrement, ce n'est que léger, voyons. Alors, on va nettoyer tout ça. Ah bah, je vais prendre le Denver, le dernier dinosaure. Si. Et je veux tout ça. Oh là, il me faudrait tellement de scores de guerre, quoi. C'est exagéré. Hein. Voilà. Ça serait pas fameux. Eh, du coup, on n'arrivera toujours pas à prendre le Nouveau-Mexique. Hein. Ce qu'on fera là, c'est prendre des morceaux, des petits morceaux, quoi. On la jettera juste... on avancera vraiment qu'un tout petit peu, quoi. Même à 100% score de guerre. Hein. Tant d'efforts pour si peu. Ah, il va me taper. Grande volonté. Volontiers. Je ne demande que ça, monsieur. Venez me taper. S'il vous plaît, tapez-moi. Sadomaso Fever. SM Fever. Super. On fonce. Objectif, les taper pour les empêcher de reprendre cette forteresse. Voilà. Allez hop, là ils vont être bien emproblémés quoi. Il faudra par contre rester à côté. Fonce, il nous faut reprendre les ruines de Phoenix. Non, toi tu vas là-bas s'il te plaît. Toi tu es par ici, formidable. Est-ce qu'il serait possible que tu laisses juste un petit pain des bois derrière toi? Merci. Allez on fonce, c'est parti. Là on est en mode rush. Dis donc, tu m'obéis au doigt à l'œil ou pas? Ah bah trop tard, nouvelle bataille, j'ai pas eu le temps de faire de mes armées des choses plus joyeuses. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, de nouveau une bataille. Ouh, on perd des hommes. Hein. On a perdu pas mal de joyeux nids de bœufs. Allez, faut avancer. Il nous faut du score de guerre. Il nous faut du massivement score de guerre. Bon, tu vas là-bas. Va à Ayo. Tiens, va à Yuma. C'est tranquille là-bas, c'est paumé, personne n'ira t'embêter. Oui, triomphe, merci, merveilleux. Bon, va là-bas. Super, grosse bataille. J'en demandais pas plus. Bah écoutez, on va verrouiller le passage. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse faire, verrouiller le passage par là. Comme ça, on va verrouiller le passage depuis Bloomfield et avec Wiki Up. Oh, on a Four States. Ah, ce sont des zones qui sont riches apparemment ici. Bon, voir ça. Voilà, des zones riches, Wiki Up, ça c'est paumé, Duncan qui est riche, Usavu City, avec des forteresses présentes par là, qui mènent droit vers New Vegas.
Oui, ce sont les anciennes régions capitales qui ont vu naître la Légion ici. Les anciennes riches régions qui a vu naître la Légion. Eh ouais. Au niveau manpower et armée, la NRC est comment? La Nouvelle République de Californie est comment? Elle est comme ça. Alors elle a plus de manpower. Ah, j'ai jamais vu ça. Zéro manpower. En armée, elle avait à peu près un demi-million de soldats. Là, elle n'a plus qu'un tiers de million, un peu plus d'un tiers de million de soldats. Elle est mal. Elle est très mal, la petite mère là. Bon, en infanterie, vous voyez, il y a pas mal d'infanterie, etc. Par rapport à nous, disons qu'elle est. Elle est quand même. Ouais, plus ses alliés, elle est juste deux fois plus puissante que nous encore. Ouais, non, elle est en faiblesse, elle est en train de baisser. Hein. Niveau trésorerie. Alors, niveau trésorerie, c'est quoi? C'est ici, production. Est-ce qu'elle gagne au total? Ça, c'est nous, ça. Ah, on gagne plus qu'elle. Fantastique. Relations, short trade, machin, country. Ah, merci. Alors, en stabilité, ils sont parfaits, ils sont comme nous, hein, comme toutes les. Sauf la Légion. La Légion existe encore? Vous êtes sérieux, les mecs, là? Mon devoir? Bah non, elle n'existe plus, c'est un bug. Alors, sinon. En prestige, toc toc toc. Alors, en prestige, ils sont pas très bons. Ça, on s'en fout un petit peu, à la rigueur. En revenus. Ils ont beaucoup de revenus, mais moins que nous. L'inflation. 10% d'inflation. Oh, fatch. Leur trésor, 8000 capsules. Ouais, d'accord. Au niveau de développement. Ouais, t'as là, s'en fout. Forte les suites de guerre. Niveau technologie, ils sont à la ramasse par rapport à nous. Niveau idée, ils sont dans les clous. Ok. Voilà. On peut voir, ils sont pas forcément très très bien. Et comme Serge Lama... elle est comme Serge Lama au niveau de Gulk. Elle est pas bien. C'est ça. C'est ça, Gulk. Elle est pas bien. Complètement pas bien. Comme quand je t'ai pas bien le soir. Allez, monte. Monte, Josiane. Regardez. Ah là, si on prend les provinces qui sont ici au Nouveau-Mexique, là je pense qu'ils seront pas bien là. Ils nous feront une syncope géante là.